Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose comment réaliser la shorba. La shorba, c'est une soupe. Voilà. Azul fil akhwant mahri skont la chenino. Asegini pour akhwantid de charbam le frik. Voilà. Tvan fit. Legini. Là, la viande d'agneau, une pomme de terre, une carotte, la moitié d'une courgette, les oignons, purée de tomates. Et là, j'ai un mélange de coriandre et de la menthe, une grande cuillère à soupe de concentré de tomate, du sel. Là, j'ai du poivre, paprika, ras el hanout. Un peu de cumin et de la cannelle. Et après, on peut déjà couler ou faire les épices. Il y a un peu de stère. Il y a un de charbon. Ça, c'est là, je mets 2 cuillères à soupe d'huile dans la marmite. On va mettre une tonne de jouine de zit. On va mettre une tonne de zit. On va mettre une يسعى القرع جوست ان تو بتي بو دو سمان و دو بوغ دو بريفيرونس تسد شربان زيدف لا جو راجوت لا فيوند موا سي دو لانيو فوالا كوبي اون بتي مورسو هات الجمثة ذي يقلو القوث توجور يتسد فنين مشكرة يقلو قلو مثل مليح القوث نكونت إلا جغاجوت لي زونيون فوالا نلس كالكو مينوت الجمثة ذا غنا ذي يقلو نفصل النية كالكو مينوت فوالا On rajoute nos légumes. C'est comme le خضر نكونت. كي نري غاس تاع بطاطات تاع زروديات كزمرت من الصوف نفس خسيف نفس كان. Après على حساب عقالون ولي وثا تخدم على حساب تواشولتيس. Voilà, j'ai rajouté la coriandre et la menthe. La menthe, la coriandre, tomate concentrée, j'ai une cuillère. Je rajoute la purée de tomate. Voilà. On mélange le tout et on laisse quelques minutes. Il ne faut pas que les épices ou que les épices dès le début que vous souvenez, car les épices ne harcèlent pas juste d'après le coup marrer. Les épices ne comptent à la fin. Donc voilà, c'est marquant. Donc nous tirons les épices ne. فوالا هذا كي كولي وثا شو شو حملة تاري شربينوس ما ترمت شي طوح شي طوح كذا قاري غنفص نفس طونجة وثا القهوة نفص كويرا غادي السون لي زيبيس اون مي اون دومي كويير ا كافي شاك ايبيس فوالا جي راجوتي لو سيل. Je mélange, je laisse quelques minutes. Marie-Claude Coutin Fonte est assez devenue. Jamais, jamais tu marques comme si tu avais. Et je rajoute les points chiches. Voilà, quelques minutes après,
اتمرقم توجو القوس نكون سوا من يحمل لا من يركم كثر السمير ثمن يسمضن الحمض نكون تذي يحبس ويتبويرا الخضرة نكون كيف كيف توجو من يحمل ما ثر مرقم ثل القوس نكون يوترم ثرا طس 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 بوي من داني هترم ثكان القيس Voilà, on mélange et on laisse cuire la viande et les légumes. Voilà. Voilà, nos légumes sont cuits. Les guinelles faudront à ce poivre. On les enlève. Et mixer le faudront quand normalement au centre le mixeur. زي ما مثلا ترى مثلا تضيف سيت تشترك شمس صون جوث si vous avez pas le mixeur vous pouvez l'écraser avec une fourchette les légumes il faut l'écraser avec une fourchette voilà Voilà, très bien. Et on verse le tout dans la sauce, dans la marmite. Voilà. Voilà, là tout est cuit, la viande, les pois chiches, tout. Et on rajoute le fric. Dégagez-nous l'homme, c'est le fric. Il faut les tremper dans l'eau chaude. Voilà. On peut faire le fric qui est dans le poids maniahmen. Et le bol, c'est le poids maniahmen. Voilà. Et ensuite, on aura la fin. On a une question où il y a une marque qui est directement le fric directement avec une cassure d'air, le fric et ensuite, on a une marque. Voilà, à la fin, je rajoute le mélange de coriandre et la menthe à la fin. On a la soupe qui est faite. Voilà la soupe elle est prête et voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo la vidéo est gagnée ou tu te faire à liker sinon ou abonner à t'abonner mais le kiné ou tu t'énerves quand même si l'hénard à la sénéron inchallah نيفار بي على خير